Ah. Euh, ça passe déjà là, là-bas. Ok. Um. Hmm? Ah bon, hein? C'est clair. Voilà, bonjour et bienvenue à chacun de vous. Euh, on attend nos frères, on attend les bien-aimés. Connectons-nous massivement, s'il vous plaît, et envoyons des cœurs. Que Dieu vous bénisse. Hum? Non, mais ça va juste m'asseoir comme ça. Là, c'est bon. Vérifie. Hum? C'est comment Ah hein? Ah ok. Seigneur, merci pour ta grâce, au nom de Jésus. Therese Merci Jésus pour ta grâce. Connectons-nous massivement, nous allons parler des choses très très sérieuses ce matin. Ah, okay. tu es là. Oh, bonne arrivée. Merci, je voulais euh, te faire le filet de poisson. Ok. Parce que mon ami Bouillon de le poisson, comme tu vous ai dit, que, cette semaine tu n'as pas mangé de filet de poisson. Ouais, ouais c'est une très belle idée. Mm -hmm. Filet de poisson avec quoi? Choufleur, c'est quoi Moi, Non, lave le mouton à gare, là-bas. Vous ça connaissez que les choufleurs Ok, d'accord. Sans problème. <coughs> voilà, connectons-nous massivement, s'il vous plaît. Massivement, massivement. Bonjour à tout le monde. Bonjour à Borel. Borel, ça c'est un enfant spécial. Que Dieu le bénisse. Moufou, Chancel. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour à Samantha et Vos. J'ai dessus le nom de quelqu'un vraiment. Eh, de me pardonner. Pascal Haya. Bonjour. Non ça va. Je, je vais travailler là, maman. Vous savez que en fait les généraux, les soldats lorsque vous êtes dans une armée, que vous avez des fils, vous les formez avec dureté. Vous les formez avec dureté pour qu'ils ne soient point de cancre. Bonjour à mon fils Cyril Agbre, Prophète Cyril. Nous sommes contents de savoir que vous suivez nos traces. Que Dieu vous fasse aller loin. Ok. Ah, c'est le brocoli. Nous, on appelle ça le brocoli. Non, il y Ça, c'est pas le brocoli. Hein. Mais ça ressemble au brocoli. Oui, mais c'est deux choses. Ah bon, hein? Et là, vous allez faire ça comment? Est-ce qu'on va, va laver avec quoi? Le savon ou quoi? Parce que les légumes, les légumes là. Mais c'est l'eau chaude, il suffit pour tuer les microbes. Est-ce que le bicarbonate, ça tue les virus et les, oui. les bactéries oui. Bien. Parce que moi, je ne veux pas avoir les frais de fièvre, tu fais d'après. ne peux pas en avoir. Ah bon Il hein. faut avoir confiance en moi. Oui. Mm -hmm. D'accord. Donc là, on va faire ça filet de poisson avec. Avec le chou Ok. Un... Oui. Et. Bon, je ne sais pas. si Je, Alors, je peux t'accompagner, ça va de... Oui. Est-ce qu'il y a un riz noir ou quoi riz noir. Oui, ok, d'accord. Avec ton riz. Noir. Mm -hmm. D'accord, l'autre jour là, quand le ministre était ici avec le préfet, mm -hmm. le riz noir là, ça nous a un peu troublé. Hein. Ah oui, Nous, on n'avait jamais vu ça. Oui. Mm. oui. Donc, mais on, a, on a mangé, mais le préfet, il a beaucoup apprécié. Oui, moi aussi, j'ai apprécié. Okay. Okay. Oui, c'était trop bien, quoi. Oui. D'accord. Mm. Le riz noir, le riz blanc, la différence, c'est quoi Non, le, 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 le riz noir, a plus, ça a plus de nutrition complète. Ok, d'accord. Ok, on fait le riz noir alors. Merci. Mm. Seigneur, merci pour ta grâce au nom souverain de Jésus de Nazareth. Que ton nom. Ah maman, Seigneur, que ton nom soit béni au nom de Jésus Christ. Amen. La betterave, là, vous la faites entière, en, en entier, ou bien vous vous épicez, vous, vous, vous escortiquez D'accord. Parce que l'odeur là, c'est un peu trop fort. Donc je me force juste à supporter quoi. Mm. D'accord. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, bénis soit ton nom à jamais. Prends contrôle et glorifie ton nom. Nous, nous recommandons à toi pour ce moment. voulons voir ta main agir dans nos vies. Seigneur, la gloire, l'honneur, la louange te reviennent pour toujours. Au nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Amen. Bien aimés je voudrais que vous soyez euh, là, que vous soyez là, que tout le monde soit là. Invitez les gens et les hommes de Dieu. Invitez les gens parce que vous savez qu'à la lumière des scènes de Écritures, c'est une émission qui a été initiée par moi, Michalom et Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, l'histoire ou bien l'historique. C'est elle qui a commencé avec cette émission. À l'époque, j'avais mon émission à moi. J'ai même oublié le nom de mon émission. Tellement son émission a commencé à donner que moi aussi, j'ai commencé à lui dire que, pardon, est-ce que je peux t'accompagner dans ton émission Et j'ai négocié pour passer. Parce qu'elle avait plus de vues que moi. Donc, eh, voilà comment la lumière des Saintes Écritures est née. C'était son idée originale à elle. Et je bénis Dieu. C'est vrai qu'au début, je n'y croyais pas trop. Mais lorsqu'elle a commencé et que j'ai vu comment ça donnait. Et j'aimais aussi assister dans une négociation et me laisser donc passer de temps en temps. Donc nous bénissons le Seigneur pour cette émission qui est une plateforme pour éduquer et rééduquer le peuple de Dieu et les hommes de Dieu. Éduquer et rééduquer les hommes de Dieu. Et ce matin, je vais m'attaquer à un problème fondamental. Nous parlons de l'argent, l'église et l'argent. Dieu et l'argent. On va, on va, c'est-à-dire que, que tous les contradicteurs soient connectés. Vous connaissez quelqu'un qui est contre mon enseignement envoyer la vidéo à la personne. Que la personne se connecte, qu'elle vienne ici. On va parler de la Bible. Donc vous savez que cette histoire-ci, là, c'est une histoire, ce n'est pas une histoire d'homme, c'est une histoire de la Bible. Nous avons commencé, je pense, hier ou avant-hier. Et il y a des personnes qui ont fait des commentaires, qui ont fait des commentaires pour dire non, prêcher la sanctification, prêcher euh, la, le dépouillement, prêcher la nouvelle naissance, etc., etc., etc. Et j'essaie de répondre hier. J'ai dit que ce n'est pas le thème que nous développons euh, dans ce forum-ci, euh, cette semaine. Nous parlons de l'argent. Et puis, euh, les gens, non, 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 non. prêcher l'évangile. Même l'argent, c'est l'évangile. L'évangile parle de l'argent. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Il y a tellement... Ça dit que personne n'a enseigné sur l'argent comme les apôtres. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Personne n'a enseigné sur l'argent comme les apôtres. Personne. C'est que le temps nous manque. On peut faire, nous pouvons faire tout ah, et moi. Ah, excusez-moi, on a coupé la lumière. C'est ça alors le miracle africain. On peut faire tout et moi, juste à parler de l'argent. Les apôtres ne prêchaient pas seulement la sanctification, la repentance ou bien la nouvelle naissance. Non. Les apôtres parlaient de l'argent. Ils enseignaient sur l'argent. Donc, voilà, donnez-moi mon téléphone WhatsApp là derrière là-bas. Donc, ils parlaient de l'argent. Mais il faut comprendre que quand on parle de l'évangile, le plein évangile là, c'est pas seulement sanctification, sanctification, sanctification. On ne mange pas la sanctification. C'est pas la sanctification qui va payer le loyer à ton bailleur à la fin du mois. C'est pas la sanctification qui va envoyer tes enfants à l'école. C'est pas la sanctification qui va faire que quand tu es malade, tu puisses aller à l'hôpital. C'est pas la sanctification qui va acheter tes vêtements. C'est pas la sanctification qui va acheter tes chaussures. Non, la Bible enseigne aussi sur les valeurs du travail. Le chrétien a une vie. Hormis la vie spirituelle, le chrétien a une vie. D'abord, il a une vie à lui. C'est un humain qui a droit à la vie, au droit au travail, à l'argent. Il a droit, droit à la prospérité. Il a droit au succès. Il a droit à voir son univers à lui-même dans lequel il est épanoui. C'est ça la réalité. Et l'argent est donc au cœur de l'existence humaine. Vous voyez que Dieu lui-même dit dans sa parole que l'or et l'argent m'appartiennent cest à dire que c'est comme s'il si revendiquait ça avec quelqu'un. Pourtant, personne ne revendique avec lui. Il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Quelqu'un dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Mais la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Où est donc l'image de Christ en nous? Si Dieu lui-même dit, l'or et l'argent m'appartiennent, ça veut dire que c'est important pour lui. Si c'était mauvais, il ne le dirait pas. Donc, l'or et l'argent lui appartiennent. Et comme il est mon père, l'or et l'argent doivent aussi m'appartenir. Dans tout ce que je fais, on doit voir la main de Dieu. L'or et l'argent doivent être au cœur de mon existence. Et en plus, la Bible explique même que toute la nouvelle Jérusalem, ça veut dire la demeure de Dieu est faite. Allez lire le livre d'Apocalypse. En argent, en or, en cristal, le diamant, le chrysolite, le sardoine, et beaucoup d'autres, d'autres pierres précieuses, hein, les mérodes, etc., etc. De la Bible parle de ces choses. On ne peut pas dissocier la Bible de l'argent, ou bien du donné. Donc, il faut que les gens comprennent que la culture de donner, et la force du peuple juif de qui nous avons hérité. La Bible, la Bible dit, Jésus lui-même a dit, je pense que c'est Jean 4, 12. Il dit, le salut vient des juifs. Le salut vient des juifs. Donc, ça veut dire qu'on euh, ne peut pas devenir plus enfant de Dieu euh, que ceux à qui le livre a été donné. Donc, je voudrais euh, aussi demander à tous ceux qui sont en train euh, de nous regarder d'envoyer des cœurs, d'envoyer des cœurs. Aujourd'hui, on est en train de vouloir abattre tous les hommes de Dieu. Je parle du Cameroun, par exemple. On est en train de vouloir abattre les hommes de Dieu qui enseignent sur le donner. Dès que vous, a, vous abordez le thème de donner, ça devient un problème. Vous êtes un faux prophète. Dès que vous avez un peu de prospérité, c'est un problème. Mais les mêmes personnes qui viennent vous fustiger en public sont les mêmes personnes qui prennent des jeunes en cachette pour demander que Dieu leur donne l'argent. C'est les mêmes personnes qui vous persécutent avec les dîmes et les offrandes. Quelqu'un te dit que non, ceux qui demandent l'argent là, vraiment c'est de faux prophètes, mais après vient te demander l'offrande. Non! Dans ce genre d'église, normalement, ceux qui le disent, on ne doit pas prendre d'offrande, on ne doit pas prendre de dîmes, on ne doit pas demander des contributions à qui que ce soit, tu entres dans l'église sans, ça dit que tu entres sans dépenser 5 francs. Et là, nous allons respecter votre évangile. On comprendra que oui, vraiment vous, l'argent, c'est pas ça qui compte. L'argent, on ne doit pas en parler à l'église. On comprendra que vous êtes un vrai prophète parce que vous ne demandez pas l'argent. Mais si vous le faites pour demander les offrandes aux gens, ils vont aller voler pour vous apporter ça. Il faut qu'ils travaillent. Or, pour qu'ils commencent à apporter les offrandes et tout, il faut qu'ils travaillent. Il faut enseigner cet esprit d'excellence. C'est-à-dire que le faux christianisme qui existe aujourd'hui, qui veut remplacer le vrai, ça ne pourra plus se faire. Parce que dans cette génération et dans cette dispensation, Dieu est en train de susciter des jeunes hommes de Dieu qui vont troubler, qui vont troubler Satan et les doctrines infernales, qui sont en train de vouloir troubler la paix de l'Église ou bien le bon fonctionnement de la maison de Dieu. Qu'est-ce que Timothée euh, recevra son père, euh, à, euh, comment l'appelle euh, Paul Il dit, afin que tu s'assises, je tarde. comment te conduire dans la maison de Dieu L'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc il faut enseigner la vérité aux gens. Donc ceux qui viennent vous dire non. L'offrande, c'est pas bien. On vous demande de susciter des fonds. On dit, on va bâtir des hôtels. On bâtit des hôtels, c'est quoi? Jésus déjà mort sur l'hôtel pour nous. On a plus besoin de sacrifice. Mais c'est très faux. La Bible parle de sacrifice. On va parler de l'Ancien Testament, mais on va aussi venir caracoler, chevaucher, euh, dans le Nouveau Testament pour que les gens comprennent l'importance du donner et la place du donner au cœur même de l'enseignement des apôtres. Je suis même en train de beaucoup parler pour rien. Il faut qu'on commence par lire la Bible. Maintenant, regardons d'abord. Je vais vous montrer que les apôtres n'enseignent pas seulement sur le donner, sur, sur, la sanctification, ou bien le dépouillement, etc. Ça, c'est un enfant de Dieu. Moi, j'ai pas besoin que tu m'enseignes de me sanctifier. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça, sincèrement. Pourquoi? Parce que l'esprit de Christ qui est en moi m'oblige à me sanctifier. La sanctification n'est pas une option pour les enfants de Dieu. La sanctification, c'est pas une option pour ceux qui sont nés de Christ. Non. La sanctification, c'est la conséquence immédiate de la nouvelle naissance. Il dit en Christ, Kahine Kitisis. Tar Kahi en Si quelqu'un est en Christ, il devient Kahine Kitisis. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Ça, c'est la conséquence immédiate. Quand tu nais de nouveau, ce qui fait de toi un net de nouveau, c'est la vie de Christ en toi. Donc, on ne dérange pas les gens. Mais cependant, on a besoin d'enseigner les gens sur des thèmes fondamentaux pour la prospérité. Quand vous lisez, par exemple, dans Luc chapitre. Euh, 6, verset 38, Jésus dit, donnez, et il vous sera donné. L'on versera dans votre sein une mesure serrée, secouée qui déborde. C'est Jésus-Christ qui dit, donnez, il vous sera donné. Donnez quoi Les offrandes, des semences, l'argent, à l'église, dans la maison de Dieu, aux hommes de Dieu. C'est le même Jésus qui dit de donner à l'œuvre, d'investir dans l'œuvre. Et c'est le même Jésus à propos des hommes de Dieu qui dira, si quelqu'un reçoit un prophète, parce qu'il croit que cet homme est investi de Dieu comme prophète, il n'aura pas à l'héritage prophétique de ce prophète. C'est Jésus qui enseigne cela. Et, et, et il dit encore que Si quelqu'un reçoit un juste parce qu'il croit que sa justice vient de Dieu, cette personne n'aura pas à l'héritage de ce juste, parlant des croyants. C'est Jésus qui le dit. Qui le dit. Bon, on dit, l'emsétai. Au hein? recevoir ici c'est quoi? C'est dans le sens de la libéralité. Hein? Le non en grec signifie recevoir bien quelqu'un, investir. C'est-à-dire que quand un homme de Dieu vient dans ta maison, ça doit être la fête. Tu dois préparer. Quand un homme de Dieu arrive chez toi, tu dois faire la fête. Tu mets les ailes de dinde tu mets le poulet. C'est-à-dire tu... que toute ta famille s'habille bien. C'est la fête un homme de Dieu entre chez toi. C'est ça recevoir un prophète en qualité de prophète. Tu peux recevoir un prophète, mais pas en qualité de prophète. Ça veut dire quoi Sans l'honneur qui doit accompagner la réception, le décommenon des noms de Dieu. Il faut que les gens comprennent cela. Donc, ce genre d'enseignants de la Bible vous amène à mépriser non seulement un commandement divin. Hier, par exemple, j'ai lu dans Deutéronome 16, verset 16. Alors, on lit. Dieu dit :« Et l'on ne se présentera point devant ma face les mains vides. » Et l'on ne se présentera point devant ma face, les mains vides. Donc, c'est interdit de se présenter devant la main, devant la face de Dieu, les mains vides. C'est pas que je suis en train de dire que si quelqu'un n'a pas l'argent, il ne doit pas aller à l'église. J'interprète la Bible. Vérifiez dans votre Bible, vous-même. Donc, maintenant, Jésus Christ explique que pour recevoir le prophète, cest à dire que quand un prophète vient chez toi, il faut le décommer, non, demande que tu le reçoives, ça à dire que d'une manière digne, que tu le reçoives en respectant, en honorant le manteau qui porte. C'est-à-dire en, en honorant le ministère qui porte. Quand un homme de Dieu vient chez toi, tu dois changer la peinture de ta maison. Tu dois tout arranger. Tes mamies doivent être... Si tu peux acheter de nouvelles mamies, tu achètes. Dans tous les cas, c'est la fête chez toi. Tu peux inviter tes voisins. Dis-leur que quelque chose, la délivrance est en train d'arriver à notre famille. Vous ne recevez pas les hommes de Dieu comme si c'était n'importe quoi. Quand même nous portons des dispensations en nous. C'est ça que l'apôtre Paul dira que nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, non pas à nous. Il dit nous portons ce trésor dans des vases de terre. d'un un homme de Dieu est quelqu'un en qui Dieu a mis un dépôt. C'est pour cela que vous devez faire attention. Dieu est très jaloux des hommes de Dieu, parce que les hommes de Dieu relèvent du domaine privé de Dieu, du patrimoine personnel de Dieu, de l'appartenance personnelle de Dieu. C'est ça qu'il dira, ne touchez pas mes soins et ne faites pas de mal à mes prophètes dont les prédicateurs qui vous amènent à mépriser les hommes de Dieu, c'est des ennemis de la croix, c'est eux des, les vrais ennemis de l'église. Un enfant de Dieu sage, lorsqu'il va recevoir un homme de Dieu, il doit le faire avec beaucoup de respect, avec beaucoup de vergogne. avec beaucoup de considération et la considération doit être à la mesure, à la hauteur de l'ancien du manteau que cet homme parle, qu porte, qu'il porte en lui. Maintenant, nous allons d'abord regarder la libéralité. Je vous montrerai bibliquement que lorsque tu vas rencontrer un homme de Dieu, tu ne dois pas aller les mains vite. Ne le fais jamais. Tant que c'est possible, quand tu vas rencontrer un homme de Dieu, ne va pas les mains vite. On va dire, non, c'est des escrocs. On n'est pas des escrocs. C'est vous des ignorants. C'est vous qui mettez et induisez l'Église dans l'erreur. Nous enseignons ce qui est écrit. Si votre sainte doctrine-là contredit même ce qui est écrit. Ce pas une saine doctrine, c'est une doctrine truffée d'impureté. C'est une doctrine inspirée par l'enfer. C'est ça la vérité. Toute doctrine qui peut contredire des déclarations claires, des déclarations indubitables, des déclarations inamovibles venant de Dieu, je vous dis la vérité, c'est un, une doctrine fausse. C'est une doctrine qui vient des entrailles des intestins de Satan l'humain. C'est ça que les gens doivent vous dire. Maintenant, regardez, vous êtes des chrétiens. Je ne pense pas qu'au XXIe siècle on pourra diriger l'Église par la tradition orale ou bien par une sorte de substitution de conscience. Non, laissez-moi penser à votre place. Non, laissez-moi discerner les bonnes Églises, les vraies Églises, les fausses Églises, les vrais hommes de Dieu, les faux hommes de Dieu. Vous restez là parce qu'il y a des dehors. Tout pasteur qui le fait n'est pas un pasteur, c'est un bourreau, un bourreau et un gourou. C'est ça la vérité. Il faut enseigner la parole. Au peuple de Dieu et au peuple maintenant, la capacité spirituelle de discerner. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Elles ne suivront point un étranger, mais feront loin de lui, parce qu'elles ne reconnaissent pas la voix des étrangers. C'est ce que Jésus a dit. Tous ceux qui sont nés de Dieu reconnaissent la voix de Dieu. Un homme de Dieu n'a pas besoin. Moi, je pas besoin de faire des membres de mon église des captifs. Il y a des églises qui sont devenues plus que condamnées. Il y a des églises qui sont devenues plus que New Bell. Le pasteur fait, as le pasteur lui-même, c'est un peu comme c'était, eh, le, 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 c'était Hoover, le directeur du FBI ou bien le fondateur du FBI. Le gars te surveille comme si en allant là-bas, c'est lui qui est venu te chercher à la maison chez toi. Pourtant, c'est de toi-même, de ton propre chef, que tu es arrivé. Le monsieur veut te dire comment tu dois penser, comment tu dois dormir, comment tu dois te coucher la nuit avec ton mari ou avec, avec ta femme, Qu quelles aides de nourriture que tu dois préparer à ton mari. Quel pasteur tu dois écouter sur les réseaux sociaux Quel pasteur tu ne dois pas écouter dans les réseaux sociaux Mes amis, l'église, ce n'est pas la prison. Et un pasteur n'est pas un agent secret. Ce n'est pas un agent du FBI. Non. Enseignons la Bible. Tout pasteur mature. Enseigne l'écriture, la doctrine. Voilà, nous allons nous reconnecter. On va se reconnecter. On va se reconnecter. Il euh, y a qui Armand, appelez-moi Armand. Reconnectons-nous, s'il vous plaît. Il y a beaucoup d'attaques derrière nos émissions. -ci là. Beaucoup d'ennemis. Beaucoup d'ennemis. Et j'ai dit que c'est des perdants. Tous sont des perdants. C'est des perdants. Nous attendons les autres. On va continuer. Le téléphone -là peut s'éteindre, mais dix fois, on va continuer. Je ne sais pas si c'est la S22 qui est sortie. Samsung S22, c'est la sortie. S22, la sortie. Hein? Oui, je vais prendre des renseignements. Je, je vais faire le direct des hommes avec Samsung. Demandez-moi une Samsung. S21 ou S22 Pro. 500, je ne sais pas combien de giga là ils ont. Hum. Donc voilà, mes, mes directs sont très combattus, trop, trop combattus, mais ça ne nous décourage pas. Je veux reprendre à zéro. Mille fois je veux reprendre. Donc, bien aimé, écoutez. Aujourd'hui, il y a tellement d'ennemis de la vérité euh, cachés dans l'église que vous ne pouvez pas imaginer. Je vous dis la vérité. La vérité est en train de devenir mensonge. Et le mensonge est en train de vouloir prendre la place de la vérité. Oh, ça ne peut pas. Ça ne peut plus se passer comme ça. Ça ne peut pas. Les gens peuvent utiliser des moyens de sabotage contre nous, mais c'est zéro. Vous ne nous connaissez pas bien. Nous sommes, c'est-à-dire, on a un engagement dans nos cœurs que vous ne pas. C'est-à-dire, on n'est pas prêt à souffrir pour Christ. On est prêt à mourir pour la cause de Christ. On est prêt à mourir. Donc, si tu es en face de quelqu'un qui est prêt à mourir, à accepter la mort, sans régimer, sans reculer d'un seul pas, mon ami, tu es dans les problèmes. Tu es un adversaire redoutable devant toi. Donc, je ne suis pas un petit adversaire. Je suis d'ailleurs un très très mauvais adversaire. Un très très mauvais adversaire. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. On ne peut pas accepter que le Dieu Les gens vous disent non, ceux qui demandent l'argent, c'est des faux prophètes. Qui vous a dit qu'un faux prophète, c'est quelqu'un qui demande l'argent? Ça veut dire que les apôtres eux-mêmes étaient des faux apôtres. Et vous, vous nous apporterez les vrais apôtres, vos vrais apôtres. Puisque lorsque vous regardez la Bible, vous lisez Acte chapitre 4. Hein? Vous lisez acte des apôtres, chapitre 4. Et la Bible explique clairement que les bien-aimés avaient reçu des apôtres de l'enseignement de vendre leur maison et leur propriété et de venir donner cet argent-là aux apôtres. Et ils déposaient ça, les apôtres ne prenaient même pas ça de leurs mains. On déposait au pied des apôtres. Donc les gars suppliaient même pour mettre l'argent de la vente de leur maison, de leur terrain et de leur propriété au pied de, des apôtres. Donc c'est donc eux d'abord les premiers escrocs. Avant de venir dire que non, ceux qui demandent l'argent, vraiment, mes amis, vraiment, que Dieu ait pitié de nous. Il y a, le danger, c'est que lorsque vous avez un ignorant qui a la Bible entre ses mains, il devient plus dangereux que Ben Laden pour l'Église. Il devient plus dangereux pour l'Église que Ben Laden l'a été pour les États-Unis. Lorsque vous avez une personne mal intentionnée, une personne sans fondement spirituel qui tient la Bible, qui dit être homme de Dieu et qui enseigne ou qui tient ministère, c'est dangereux. C'est pour cela qu'il y a des accidents ministériels. Des accidents, un peu comme du genre, un homme de Dieu, au lieu de prêcher l'évangile, passe son temps à insulter d'autres dans son bébé. Et les brebis ne font que partie de telles églises, ne peut pas être stable Parce que toute brebis qui aime la vérité ne peut pas rester dans une église où le passeur passe son temps à fustiger les autres, à insulter les autres, à dénigrer les autres, parce qu'il est écrit. Ne me dites pas de mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Et le site écrit Et tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. J'étais avec un homme de Dieu. J'étais avec un homme de Dieu. Et j'ai déjà raconté l'histoire. Et qui me dit que non. Il y a un apôtre qui lui a dit que moi, je vais au Congo. Il y a un papa au Congo qui a. Je pense que la plus grande église au Congo. C'est un papa. Mais pense c'est Amen TV. Alors, il explique, il dit que, on lui a dit que là-bas, dans cette église, c'est, à dire aucun Camerounais ne peut entrer là-bas s'il n'est pas venu avec le prophète Khalifa Dinan. On demande toujours, est-ce que c'est le prophète Khalifa Dinan qui t'a envoyé? Et que mes dîmes, je vais là-bas tous les mois payer les dîmes. Moi, je ne suis jamais allé au Congo. Et je lui dis, appelle l'apôtre. Il appelle l'apôtre là, un homme de Dieu, devant moi. Il met le haut-parleur. Il dit, bon, tu disais que le prophète Ferdinand, enfin, il dit, je te dis que tous les mois, il va au Congo. Moi, j'étais là-bas. Il te parle, mais il dit que ne m'a jamais dit qu'il va au Congo. Il dit, je te dis qu'il va verser ses dîmes là-bas. Mais c'est seulement que tu as des amis qui ne veulent pas ton progrès. Ils n'aiment pas que tu grandisses. Ils veulent te maintenir en bas, en bas, sous ses pieds. C'est pour ça qu'il ne te dit pas ces choses. Bien aimé, j'ai suivi, pas qu'on m'a raconté, un homme de Dieu. Et que faisons-nous donc de la partie de l'écriture qui dit... Tu porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Qu'est-ce qu'on dit de cela? Qu'est-ce qu'on dit de cela? Comment un homme de Dieu peut mentir? C'est-à-dire avec autant de calme, avec autant de sérénité, avec autant de conviction, où est passée la crainte de Dieu. C'est ça le problème. Donc maintenant, aujourd'hui, vous venez, on dit non, quand vous prêchez sur l'argent, c'est l'évangile du matin. Non, l'évangile, ils appellent encore ça quoi. L'évangile de la prospérité. L'évangile de la prospérité. Non, vous prêchez l'évangile, la prospérité. Vous prêchez trop sur l'argent. Je n'ai jamais prêché sur l'argent comme les apôtres, bien-aimés. Parfois, on se demande même, est-ce que les gens lisaient la Bible C'est dangereux. Pourquoi Parce que Les gens viennent discuter sur un forum comme celui-ci, n'ayant pas lu la Bible. Ta Bible, même, peut-être même, elle est perdue. On ne sait pas où elle est. Les souris de ta maison l'ont retirée. On ne sait pas si tu lis encore la Bible. Non. Quand tu viens ici, c'est la lumière des saintes écritures. Il n'y a rien qui se fasse ici sans une base biblique. Maintenant, lisons quelques passages de la Bible. Romains 12, verset 8. Et vous allez me dire, si c'est la sanctification ici que Paul prêche. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. L'apôtre Paul enseigne sur le donner. Comment le chrétien doit donner Il doit donner avec libéralité. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. On doit donner avec libéralité. Il ne s'agit pas de la sanctification ici. Il parle du donner. Libéralité veut dire volontairement et avec des largesses. 2 de Corinthiens 9, verset 7. Que chacun donne. Comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Si on vient dire ça aux gens, vous allez dire c'est des escrocs. Mais c'est l'apôtre Paul qui écrit clôt Corinthien ici. Il ne leur enseigne pas le dépouillement, il n'enseigne pas la sanctification, il n'enseigne pas la marche avec Christ. Non, il parle de donner l'argent ou bien des biens en nature ou en espèce à l'œuvre de Dieu. Et il dit aux frères donner volontairement, donner avec joie sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Mais la Bible le dit très clairement, que Dieu aime le croyant qui donne avec joie. Si Dieu aime celui qui donne, comment venir enseigner aux gens que donner c'est un problème, que c'est problématique, ou que ceux qui enseignent de donner ah, sont dans l'erreur. C'est vous qui enseignez de ne pas donner qui êtes dans l'erreur. Hum? C'est vous qui êtes dans l'erreur. Maintenant, la Bible dit par exemple dans Hébreux 13, verset 6. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Il ne s'agit pas de la sanctification là. Il n'enseigne pas sur la prière. Il n'enseigne pas sur les dons de l'esprit. Il n'enseigne pas sur le don de diversité des langues. Il n'enseigne pas sur l'enlèvement. Il n'enseigne pas sur le second retour de Jésus. Tu veux l'enseignement sur le second retour de Jésus? Fouille la Bible. Il y a des chapitres qui sont dédiés pour cela. Mais ici, celui qui a écrit la lettre aux Hébreux enseigne sur le donner. Et il demande aux frères de faire des sacrifices. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Il dit, ok, c'est vrai Dieu, il n'y a pas de problème. Mais n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. C'est à de tels sacrifices. Maintenant, quand on dit que chacun présente son sacrifice, vous dites non, Jésus s'est sacrifié sur la croix. C'est dangereux lorsqu'on a en face une bande l'alphabet spirituel, biblique, qui ne comprennent rien de la Bible. Mais je bénis Dieu parce que la connaissance s'est accrue. Aujourd'hui, les gens ont la Bible. Ils doivent lire la Bible. Il est écrit dans Hébreux 13, verset 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Sanctifie-toi, mais n'oublie pas la bienfaisance et la libéralité. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Comme pour dire, Dieu prend plaisir aux chrétiens qui donnent. Dieu prend plaisir aux chrétiens qui investissent dans l'œuvre de Dieu, dans la vie des hommes de Dieu, dans la vie des frères, dans la vie des orphelins, des veufs et des étrangers. Dieu prend plaisir à celui qui donne. Tu veux que Dieu prenne plaisir en toi La Bible dit dans Hébreu 13, verset 16, donne. C'est pas la Bible de mon père ou bien de ma mère. J'ai aussi trouvé. 1 Timothée 6, verset 18. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche. En bas d'œuf, d'avoir de la libéralité, de la générosité. Recommande-leur, ça c'est Paul qui enseigne, il dit à Timothée, recommande-leur de faire du bien. Quand tu as l'argent, donne pour l'église. Quand tu as l'argent, donne pour ton pasteur. Tu ne peux pas rouler en voiture et tu as la capacité d'offrir une voiture à ton pasteur, tu ne le fais pas. Non, tu pêches. Tu peux manger le riz parfumé. Ton pasteur mange encore le riz avec le charançon à l'intérieur et tu ne lui apportes pas quelques cartons de riz parfumé. Tu pêches. Recommande-leur de faire du bien aux riches. Il dit aux riches, à ceux qui ont quand même. Recommande-leur de faire du bien. Fais du bien dans ton église. Tu vois une famille qui ne peut pas amener les enfants à l'école, aide-les avec la pension. Tu vois une soeur qui ne s'habille pas bien, Dieu t'a donné, donne-lui aussi sa part qu'elle se vêtisse aussi bien à cause de toi. Fais du bien, fais du bien. Tu vois l'œuvre de Dieu, il y a un besoin dans la maison de Dieu, vas-y, pourvoie à ce besoin, tant que Dieu te donne la capacité, fais-le sans jamais se fatiguer, sans jamais régimber. Il dit, recommande de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre. Où sont ceux qui disent qu'enseigner le dépouillement, la sanctification et non pas l'argent? Venez me dire ici, la Paul enseigne sur quoi Sur le dépouillement. Ou c'est ça que vous appelez dépouillement? C'est ça que vous appelez sanctification? Hein? D'être riche en bonne œuvre. Vous devez être riche en bonne œuvre. en bonnes œuvre, Nous devons investir dans la maison de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, dans la vie des gens. Tout chrétien qui ne fait pas du bien autour de lui et qui en a les moyens, les capacités, pêche. Et il est en train de s'appauvrir, il est en train de garantir sa propre pauvreté et celle de sa progéniture. La seule façon de maintenir ta bénédiction vivante, c'est d'investir dans les autres, de donner, de donner à l'œuvre de Dieu. Tu es dans une église, ça fait 20 ans, ton pasteur n'a jamais mangé ton argent. Il n'a jamais mangé une tête de poisson qui vient de toi. C'est une honte. Hein? D'avoir la, de la libéralité. Le chrétien doit être un, un homme libéral. Donc ceux qui veulent vous enseigner que non, ne donnez pas vos escroquer là, c'est des chiches. C'est des personnes avares. Des personnes captives et prisonnières, embrigadées, empaquetées dans l'avarice. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Et ils veulent vous donner l'esprit d'avarice. La Bible est contre l'avarice. La Bible est contre la chicheté. La Bible parle plutôt de générosité. La Bible parle de libéralité facile à donner. Voilà ce que la sainte doctrine enseigne. Vous qui dites, oh non, la sainte doctrine, voici la sainte doctrine. C'est ça qu'on appelle la sainte doctrine. Maintenant, quand vous lisez par exemple dans 2 Corinthiens 9, verset 13, la Bible dit quoi En considération de ce secours dont ils font l'expérience, et glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ. Et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Voici ben, la sainte doctrine. Si tu pratiques la Bible, tu dois donner. Tu dois avoir la libéralité. Il dit, et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Les apôtres recevaient des dons des frères. Les frères recevaient des dons. Ils faisaient des dons à l'église, de grands dons à l'église. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où si on donnait un don d'une voiture à quelqu'un, ça avait un problème. Quelqu'un m'a fait don d'une chaussure d'un million et j'ai posté. Je suis arrivé à l'église, Dieu m'a dit donne ça à mon serviteur. J'ai donné, j'ai posté exprès. Les gens commençaient à bavarder. Oh non, les chaussures d'un million, voilà les escrocs, les voleurs. Donc, comme je suis pasteur, je ne dois pas avoir à porter des chaussures d'un million parce que moi, je suis maudit. Hein? Parce que moi, je suis maudit. Parce que moi, mes pieds, si on met ça, ça va percer la chaussure là. C'est ça Il faut faire attention, bien aimé. Il faut faire attention. Si tu as des enfants dans ton église, un enfant qui met les chaussures de 5 millions et qui dit, je veux que mon pasteur porte la chaussure de 5 millions, donne. Non, les 1 million, là, on pouvait prendre ça et on donne ça aux pauvres. Toi, tu as donné combien aux pauvres? Toi, t'as pas eu. Où. Quand on donne aux pauvres, vous disparaissez. On ne vous voit plus, vous ne bavardez plus. Quand on porte une chaussure, à cause de la jalousie, au lieu d'exprimer clairement et simplement, votre jalousie de voir comment Dieu a en de récompenser des années de sacrifice, des années de souffrance. Des années d'endurance, de persécution. Des années de pauvreté, de manquement, de dénuement. Dieu dit, il va consoler un ben peu son serviteur en lui mettant aussi une petite chaussure d'un million de pieds. Ça devient le problème. Où ouais, est le problème? Donc, et quand on va te donner, tu vas refuser. Oh non, vraiment, il roule dans une belle voiture. Dis la vérité devant Dieu. On te donne la voiture là, tu vas refuser. Tu insultes en public, mais en cassette, tu jeunes pour avoir la même voiture. Ou avoir même moindre que ça. c'est un problème. C'est l'hypocrisie. Donc, la Bible a dit, c'est la même chose, lorsque Marie-Madeleine, qui connaissait la valeur de Jésus. Celui qui connaît la valeur de son pasteur, fait des dons valeureux à son pasteur. Je répète. Celui qui connaît la valeur de son pasteur, fait des dons et des cadeaux de valeur à son pasteur. Celui, ça dit que la, le genre de dons que tu me fais, me fait savoir si tu connais ma valeur ou pas. L'homme qui ne dort pas pour toi, ou la femme qui ne dort pas pour toi, qui prie tous les jours pour toi, qui n'a plus le temps de se reposer pour toi, qui jeûne pour toi. J'étais avec le prophète de hier ici, euh, avec Maman Chou. Ils sont venus me rendre visite à la maison et je bénis Dieu pour ce moment agréable que nous avons passé dans la méditation, la parole, le partage et la prière. Non! Et vraiment, nous nous avons partagé, on a failli pleurer à cause de la médiocrité dans laquelle l'église est en train d'aller. La médiocrité! C'est-à-dire que vous les voyez, on ne peut pas, on vous raconte l'histoire du prophète de Foyer, sa femme. Les choses qu'ils ont endurées dans le Cameroun aussi. Hmm. Vous n'allez pas croire. Ce n'est pas parce que les gens ne parlent pas. Vous ne croirez pas. Cette femme que vous voyez aujourd'hui, tout le monde, oh, maman chou, maman chou est belle, maman chou est belle. Vous pensez que la beauté qu'elle a, les habits qu'elle a aujourd'hui, vous savez comment elle s'habille avant. Si cette femme raconte son histoire, vous allez pleurer. Maintenant que Dieu, quand même, voit que ses serviteurs ont beaucoup souffert. Il dit, oh, je vais les consoler quand même un peu. Pour peu que Dieu donne, ça devait encore, oh non, les escrocs, les bandits, etc. La jalousie ne mène nulle part. Et vous devez savoir que si vous ne célébrez pas l'élévation de votre frère, on ne célébrera jamais votre propre élévation. Donc ce n'est pas le souci de la parole de Dieu que certaines personnes défendent. Parce que si c'était le souci de la parole de Dieu, eux-mêmes enseigneraient ce que nous enseignons là, le donner, ils vous liraient tous ces passages bibliques qui parlent de la libéralité chrétienne. Mais ça veut dire que leur problème n'est pas la Bible. Sinon, ils trouveraient la justification de cet enseignement que nous donnons dans la Bible. Leur problème se trouve ailleurs. Et quel est leur problème? Nous connaissons leur vrai problème. C'est la frustration dans le ministère, c'est tout. Et la jalousie. C'est tout ce qu'il faut dire. que comme c'est frustré. Parce que vous faites le ministère, personne ne vient. Vous faites. Il n'y a pas de bénédiction. Vous faites. Pourquoi? Parce que, mais toi, tu enseignes que non, ceux qui disent de donner là, c'est des bandits. Tes brebis vont te donner comment Eux aussi, là, ils ne vont pas donner parce qu'ils ne veulent pas que tu deviennes bandit. Si ceux qui enseignent la vérité sont devenus des bandits, comment est-ce que nous sommes arrivés jusqu'à ce point-là La Bible dit dans 2 Corinthiens 9, verset 5, J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de vos, votre libéralité déjà promise. Bien-aimés, bien-aimés, écoute bien. Le passage est très dangereux. Il est révoltant à la limite. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Vous allez me dire si le prophète Écal Ferdinand a tenu un engagement comme celui-là envers quelqu'un. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise. Laissez-moi vous contextualiser le texte. En fait, les Corinthiens, les frères de l'église de Corinthe, avaient décidé, un peu comme ceux de Berthois, décident, qu'on va faire des dons pour leur poser des problèmes financiers et matériels. Et ils ont dit, OK, on va donner. Et l'apôtre Paul n'attend pas qu'il lui donne. Il n'attend pas jusqu'à l'envoi. Il leur écrit. Parce qu'il se rend compte que ça dure. Il leur dit, j'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous. Parce qu'il voit qu'il t'a apporté la libéralité. Quand il y a la libéralité, c'est offrandes en espèces et en nature. Paul dit, OK, quand le voyage, le chemin, moi-même, je vais envoyer les gens chercher. Imagine-toi que tu me promettes une voiture. Tu dis, OK, je vais acheter une voiture prophète. Et puis tu dis dans une semaine, avant une semaine, il te dit que okay, je vais envoyer quelqu'un chercher la voiture là. Tu ne seras pas mal à l'aise. Pourtant, c'est ce que la porte-Paul fait. Si je le faisais, ceux qui disent non, enseignez le dépouillement, enseignez la sanctification, enseignez la sainteté et tout cela, la porte-Paul ici, ce, ce n'est pas la cupidité. Entre guillemets, vous direz que c'est la cupidité. Il disait donc, je nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, c'est-à-dire de récupérer ce que vous avez promis afin qu'elle soit prête. De manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Et ça vous comprenez La porte de Paul va même jusqu'à... C'est frustrant. Il est fictif quelque part. Il dit que sachez qu avant de donner... C'est un peu comme si je demande les offrandes à l'église. Je dis que sache que comme tu prends l'offrande à tes mains... Si tu donnes un peu, tu auras un peu de bénédiction. Tu donnes beaucoup, tu auras beaucoup de bénédiction. Les gens m'ont dit que je suis un escroc, mais c'est la Bible. C'est ce que les apôtres enseignaient. Voilà l'éducation qu'ils donnaient aux chrétiens. Sachez-le, ils dit aux, 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 aux frères de Corinthe, que comme je les envoie là, sachez-le, hein, que celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Qu'est-ce qu'il voulait dire Donnez beaucoup. C'est la Bible. Donnez beaucoup. Si vous donnez peu, sachez que Dieu va vous donner un peu aussi. Donc, si tu veux grandir, tu veux avoir gros, donne gros, sème gros. Il parle de s'aimer, de la sémence, de bâtir une sémence devant l'autel de Dieu. Et Paul leur explique que si tu donnes beaucoup, tu auras beaucoup. Tu donnes un peu, tu auras un peu. Si on enseigne ça aujourd'hui, vous allez dire qu'on est des escrocs. Voilà la saine doctrine. Le chrétien qui donne une petite offrande à l'église aura une petite bénédiction. Toi qui donnes des gros biens, tu auras des de grosses bénédictions. C'est la Bible. Toi qui viens donner des pièces dans ton église. Vendredi, hier, pas de jetons à l'église. À cause de ce verset. Comprends-moi bien avant de venir. Tout à l'heure, on a l'atmosphère de miracle. Et ce dimanche, 7h30 à Yaoundé, 16h à, 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 à Bertois. Je ne veux plus accepter. Non, tu donnes, tu donnes, donnes de grosses offrandes. Selon ce qui est écrit hein, dans 2 Corinthiens 9, verset 6. Sachez-le celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Ce soir, viens avec une moisson abondante. Une semence abondante pour avoir une moisson abondante dans ta vie. C'est l'évangile. Hein. Ne m'appelle pas, n'appelle pas mon nom, ne me tentez même pas. Mais Andama appelle Paul. C'est Paul. Tu n'as pas de problème avec moi. Je te connais pas, tu me connais pas. Va arrêter Paul. Ou bien va arrêter le livre dont euh, cela a été écrit, dans lequel cela a été écrit. Maintenant, il dit, verset 7. Que chacun donne comme il l'a résolu. En son cœur, Paul continue à insister, avant même que le frère n'arrivasse là-bas. Il, ont déjà donné beaucoup. Pourquoi? Le gars a des problèmes, le ministère a des problèmes, on a besoin d'argent, on a besoin de soutien, on a besoin de partenaires. L'apôtre Paul, les autres a donné beaucoup. Voilà, Paul. Voilà, Paul. Voilà, Paul. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Afin que possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Et ce Paul parle de la sainteté ici Est-ce qu'il parle de venir à l'église Est-ce qu'il parle de la sanctification Est-ce qu'il parle du dépouillement Donc, bien aimé, s'il vous plaît, nous avons besoin, ne faisons pas honte au christianisme en exposant notre analphabétisme biblique. Sur Facebook, ne faisons pas honte au christianisme. Ça dit, si tu ne te soucies pas pour toi-même, soucie-toi au moins du l'image du christianisme. Et ne viens plus jamais raconter des zaneries ici dans notre page ou bien dans notre forum. Ne viens plus. Tu dois retourner plutôt te rééduquer dans la Bible. Je te donne le devoir de relire tous ces enseignements sur la libéralité chrétienne. Et aujourd'hui, tu comprendras que la Bible ne parle pas que du dépouillement, de la sanctification, la sanctification et les dépouillements ont leur place et leur rôle. L'argent a aussi son rôle. L'apôtre Paul dit aux frères de pas donner un peu, de donner beaucoup, c'est la Bible. Et l'apôtre Paul, la Bible continuera dans 2 Corinthiens 8, verset 2. Il dira que Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Donc l'apôtre Paul n'épargnait même pas les églises pauvres où il n'y avait pas de riches. L'apôtre Paul dit que donner, même comme tu n'as pas, donne, donne comme ça donne. Et l'apôtre Paul va féliciter cette église là qui était faite de pauvres personnes et il parle d'une pauvreté profonde. Mais ces gars se sont dépouillés. Chacun d'eux a donné ses 10, 10 francs, ses cinq francs pour que le ministère avance, pour que l'œuvre de l'évangile puisse avancer et l'apôtre Paul loue leur courage. Aujourd'hui, toi, tu vas à l'église, tu as l'argent, tu ne donnes pas. Dieu te donne des millions, tu viens sortir des billets, un billet, même parfois, même si on regarde un billet, tu bavardes même fort. Là, c'est le neigrame que tu as envoyé dans la caisse de l'église. Parfois, même c'est des pièces. La pièce, même tu veux me bavarder fort. On va me trouver sur le cobo nigérian que tu as jeté, on peut rien faire avec. D'autres viennent jeter des pièces écrasées. C'est comme ça que ta vie sera écrasée aussi. Des pièces écrasées dans les moulins. C'est aussi pour cela que dans tes finances, tu te sens toujours écrasé. C'est ça le problème. La manière dont tu traites Dieu dans tes finances, c'est de cette façon que Dieu te traitera dans ses finances. Il dit, et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem, les personnes que vous aurez approuvées. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose dans le passage de 6 Corinthiens 16, verset 3 à 4. C'est aussi l'un des versets qui m'a scandalisé, ainsi qu'on sait le donner. Écoutez bien ce que la porte Paul va dire. La porte Paul dit ceci. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, ça c'est l'offrande à l'église. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, sinon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. C'est la porte Paul. Il dit que l'offrande se prépare à la maison. C'est pas à l'église que tu viens choisir. Tu mets la main dans la poche. Hein? Excusez-moi. Tu mets la main comme ça, dans la poche. C'est dans ta poche que tu es en train de calculer que ça, je fais comment? Tu touches les biens si tu pousses. Ça, c'est 10 000. Tu pousses ça comme ça. Tu touches 5 000. Tu repousses ça de l'autre côté. Tu touches 2 000. Tu pousses ça là-bas. 1 000 francs. Tu le coins à gauche. 500. Tu le pousses là-bas. À droite. Et puis, tu, tu calcules comme ça là. 100 francs. Tu réussis ça à ta poche. Non. L'apôtre Paul dit que l'offrande se prépare à la maison. Avant de quitter ta maison dimanche, tu dois déjà avoir ton offrande. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Et quand je serai venu, j'enverrai, écoutez, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem, les personnes que vous aurez approuvées. Écoutez maintenant le danger. Si la chose mérite que j'y aille moi-même, elles feront le voyage avec moi. <tousse> 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 L'apôtre Paul dit que si l'offrande là est bien, je n'enverrai pas les gens. Hein? Moi-même je vais venir. Si le montant là est, est conséquent, si le montant là est à la hauteur de ma personne, de mon manteau, moi-même je vais venir. C'est Paul qui le dit, frère. S'il faut crier au scandale, il faut crier au scandale pour ceci. Hein? C'est pour ça qu'il faut crier au scandale. Ça, c'est quand un homme de Dieu te dit que vraiment, ok, l'offrande là, envoie, je vais envoyer mon fils prendre, récupérer l'offrande. Mais si c'est un bon montant, hein, si c'est un montant conséquent, moi, je vais prendre la route, je vais venir chercher. On va penser quoi de cet homme de Dieu? C'est un cupide. Il aime l'argent plus que Dieu. Il ne presse pas l'évangile. Voilà. Et, et, le gars lui-même se déplace. Un gros apôtre comme Paul. Le gars dit que pour l'offrande, j'ai tu sais bien. Si c'est bien. Si tu me mets une bonne enveloppe, je vais venir moi-même. C'est Paul qui enseigne ça. C'est là qu'il faut crier au scandale. Hein? C'est ici qu'il fallait crier au scandale. Donc, il faut que les gens comprennent que il y a. Ça, je n'ai même pas encore commencé. Hein. Je n'ai pas commencé. Ça à dire que l'enseignement le, le, que je vais donner, je n'ai pas encore touché. Je n'ai pas encore touché le noyau de l'enseignement. Ici, on est encore en train de toucher l'écorce. On est sur l'écorce. Maintenant, écoutez. Écoutez ce que la Bible va dire en ce qui concerne les douze apôtres. il n'y avait parmi eux aucun indigent. Les, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Là, c'est la partie spirituelle. C'est-à-dire que les gars prêchaient, ils enseignaient la parole de Dieu. Là, c'est la partie spirituelle, la vie spirituelle. Mais vous ne pouvez pas me montrer un seul passage de la Bible où le ministère est allé sans argent. Où les apôtres enseignent seulement la spiritualité sans parler d'argent. Il faut faire attention. La Bible dit que les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux. Si la Bible s'arrêtait là, on pourrait dire que non, eux, les gars, prêchaient seulement la parole de Dieu. On ne faisait pas des offrandes là-bas chez eux. C'est ça la vérité. Mais la Bible va dévoiler comment l'argent la, avait une place prépondérante dans le ministère des apôtres, des douze apôtres choisis par Jésus. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient les prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient au pied des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Donc, les gens vendaient les maisons et ils venaient donner ça aux apôtres. Joseph surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il, qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa au pied des apôtres, apporta l'argent et le déposa au pied des apôtres. Apporta l'argent. Et le déposa au pied des apôtres. Apporta l'argent. Et le déposa au pied des apôtres. Apporta l'argent. Et le déposa au pied des apôtres. Apporta l'argent. Et le déposa au pied des apôtres. C'est ça l'évangile. Voici la sainte doctrine. Mes amis sont où Ils sont où Je ne vois pas leurs commentaires. Voici la sainte doctrine. C'est Saint un forum. Je veux que tu viennes parler. Je veux que tu parles. Que tu m'expliques si c'est ça la saine doctrine, si tous ces passages-ci sont conformes à votre saine doctrine, si ça respecte les critères de votre saine doctrine-là, si ce que j'ai enseigné ci-là. si, si, si c'est biblique ou pas, venez me le dire, venez expliquer si c'est ça, si c'est une fausse doctrine. Dites-moi si c'est l'évangile de la prospérité ou pas. Dites-le moi. Dites-moi si les apôtres, bah tous ces passages, il y en a tellement. Je vais encore lire demain. Dites-moi, venez me dire. Si ce pas la prospérité, l'évangile, la prospérité, que les apôtres sont en train de nous presser ici. On est en danger, mes amis, vous êtes où On est en train de mourir, les apôtres sont en train de nous presser, l'évangile, la prospérité, on est fini. Venez, venez nous sauver de leurs mains. Sauvez-nous de leurs griffes. Les gars, veulent nous escroquer. Ils nous demandent de vendre nos maisons, d'apporter l'argent. L'argent à leurs pieds, même pas entre leurs mains. Tu te mets à genoux, tu supplies encore. Tu pleures pour déposer ton argent. S'il vous plaît, venez nous délivrer des apôtres. Voici les apôtres. Ils donnent l'argent. L'apôtre Paul dit que si ton offrande est petite, il ne vient pas. Il envoie quelqu'un. Mais si c'est beaucoup, lui-même, il prend la route, il vient. Venez nous dire si c'est l'évangile de la prospérité ou pas. On est en danger. Sauvez-nous. On est mourus. On est mouru. Il y a personne dans ce cadre-fou pour me aider. Venez nous sauver. Venez nous sauver. Ils sont où? Venez nous expliquer, les apôtres sont en train de presser, quel l'évangile là-bas C'est ça l'évangile de la croix Dis aux gens que si c'est un peu, je ne viens pas, si c'est beaucoup, je viens. Bien aimé, venez me dire, venez nous expliquer, expliquez-nous. Les chrétiens vendaient leur maison, ils donnaient aux apôtres, les gars prenaient l'argent, sans demander, on ne te reverse rien, tu n'as rien, on ne pleure même pas que ces enfants vont aller à l'école. Ils vont habiter où maintenant Après ça, ils vont dormir où Et ils prenaient ça. Venez nous expliquer. Pardon. Aidez-nous. Pardon. Dites-nous si cet évangile est le vrai ou le mauvais. Dites-nous si c'est l'évangile, la sainte doctrine ici. Donc mes amis, je pense que dans cette saison, Dieu est en train de ramener l'ordre dans sa maison. Dieu est en train de rééduquer l'Église. Parce qu'une église qui ne donne pas ne recevra pas. Jésus l'a dit clairement. Il dit, qu'est-ce que dit tes Donnez et il vous sera donné. Donnez et il vous sera. C'est quelle langue que les gens Il dit, si on lit en grec, ok, dis Ok, Donnez et vous sera donné. Tu vas dire sur le grec. Mais on a traduit ça en français. Le français dit tout clairement, donnez et il vous sera donné. Ça dit que donne et Dieu. Te donnera. Mais quelqu'un vient te dire que ceux qui t'enseignent, donc, nous on interprète la Bible. J'ai écrit la Bible. Hein? J'ai pas écrit la Bible. Je vais t'expliquer le texte biblique. que moi aussi, j'ai trouvé. Que Dieu m'appelait et il me dit interprète, enseigne. Je vais t'enseigner ça. Et il y a des gens, des bandits, des des des, des, des quoi, des ambassadeurs spirituels qui viennent vous dire que ceux qui vous enseignent, qui, qui les textes bibliques sur le donné sont des bandits, des escrocs, mais c'est pas moi qui l'ai écrit. Je ne suis pas bandit ni escroc. C'est celui qui a écrit là, qui est bandit escroc, et celui qui m'a envoyé interpréter, qui sont vos bandits et vos escrocs. J'ai pas écrit la Bible. Si c'était mon livre, j'en la responsabilité, mais je ne peux pas, et je refuse, de porter le chapeau à la place de Paul, ou de Pierre, ou des apôtres. Je peux pas porter la responsabilité d'un livre que j'ai pas écrit. Je ne suis pas du tout escroc. C'est ceux qui ont écrit là qui sont des escrocs. Comme Jésus. C'est lui ton escroc. Puis c'est Jésus qui donne et vous sera donné. Bon. Je vais à l'église et puis je vais tenir une rencontre et je dis que si tu donnes, il te sera donné. C'est Jésus. Je parle de Jésus Christ. Donc si c'est l'escroquerie, c'est Jésus qui est escroc. n'est pas moi. Je n'ai rien à voir dedans. Ni d'Adam, ni d'Ève. Ça veut dire que je n'ai rien dedans. Je n'ai jamais écrit un passage de la Bible, ni un trait de l'aide, ni un iota. Rien, rien, rien. Donc, ton problème, ce n'est pas avec moi. Ton problème va arrêter Jésus, bien les apôtres qui l'ont fait. Donc, bien aimé, les chrétiens doivent avoir la culture de donner. C'est pour cela que les, les anglophones nous ont dépassés. Regardez, tous les pays anglophones, je dis bien, vous ne comparerez jamais un pays anglophone à un pays francophone ainsi qu'on sait le donner. Sauf les pays francophones qui ont calqué leur modèle de libéralité sur celui des anglophones. Vous ne pouvez pas. Regardez le Nigeria. C'est des frères comme nous. Les gars sont bénis. Ils sont bénis. L'église est riche. Les frères prospèrent. Parce qu'au Nigeria, même les païens payent les dîmes dans les églises. Écoutez bien, au Nigeria, les Nigériens, même les non-croyants savent. Quand on le joue pas avec la dîme, j'ai dit les non-croyants, ils ont ils ne jamais pied à l'église. Mais quand il fait son commerce à la fin du mois, ça donne des millions, des centaines de millions, ils choisissent une église, il envoie ça au pasteur. Il ne vient pas. Il ne vient pas. Il croit tellement en la libéralité. Et donc, Dieu les bénit. Dieu les bénit. Pourquoi? Parce qu'ils respectent la loi de la libéralité. Mais les francophones sont chiches d'une chicheté morbide d'une société fantomique, fantasmagorique. Les francophones. Pour qu'un francophone sorte, c'est 500 francs à l'église. C'est miracle. 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 500 francs à l'église. Miracle. Donc, mes amis, il faut que vous compreniez que le chrétien porte une responsabilité vis-à-vis -vis de son église, de son assemblée locale. Vis-à-vis -vis de son pasteur. Vis-à-vis -vis de son assemblée locale. Parce que c'est la source de sa bénédiction. Ta source de bénédiction, il faut la bénir. C'est ça la sagesse. Il faut la bénir. D'accord Où tu pries, Dieu te bénit au marché. Ne mange pas tout. Pense à ton assemblée locale. C'est ça qu'on appelle la source de bénédiction. Deux. Ton homme de Dieu. Ton homme de Dieu là. Il doit manger ton argent. Si ton homme de Dieu... N'a jamais mangé ton argent... Ça veut dire que tu ne seras pas béni. Tu ne seras pas béni. Si ton pasteur n'a jamais mangé tes 5 francs. Non, non. C'est que tu ne seras pas béni. Je dis la vérité. Laisse-moi lire un verset biblique ici. On va finir avec. Si, C'est pour confirmer ce que j'ai dit. Écoutez bien, je répète. Voici la sainte doctrine. Si tu es dans une église, ton pasteur n'a jamais mangé ton argent. Tu pêches. Tu pêches. Tu es un mauvais chrétien. Tu es un très mauvais chrétien. Tu me vois en repasse. Tu me salues, je ne veux pas répondre. Galates 6, verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Je répète, Galates 6, verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens. Fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Voilà la sainte doctrine. Pour nous, c'est ça notre sainte doctrine. Donc, tu as l'obligation, c'est la Bible, c'est un commandement. Celui qui t'enseigne la parole doit manger ton argent. Parce que quand je t'enseigne la parole, je prie pour toi, ça t'ouvre les portes. Dieu te bénit. Et quand Dieu te bénit, là, ne mange pas seul. Tu seras égocentrique. Mange en pensant aussi à celui qui a ouvert cette porte, à celui que Dieu a utilisé pour apporter et attirer cette grâce dans ta vie, qui a chassé les démons de ton village qui te bloquaient là. La maison, la, maison, la maison de ton père et de ta mère qui te bloquaient là. Cet homme-là, quand tu mangeais là, il doit aussi régner. Quand tu règnes, il doit régner avec toi. La Bible dit cinq commandements. Celui qui te prêche la parole là, tu dois le nourrir. Tu dois le nourrir bien. Tu dois lui faire part. Quand on te donne l'argent, à la fin du mois, ton salaire sort. Ton pasteur doit manger ton salaire avec toi. Tu fais les affaires. Tu as des bénéfices. Ton salaire mange. Le pasteur doit aussi manger de bénéfices là. Ton pasteur, fais toujours une enveloppe pour ton pasteur. Voilà les chrétiens qui sont sages, intelligents et c'est ça la vraie doctrine. Donc, si tu es dans une église, tu as l'argent. Ton pasteur n'est pas béni. Tu manges ce que tu veux. Ton pasteur doit affamer. Tu as l'argent pour envoyer tes enfants à l'école. Ton pasteur, ses enfants n'arrivent pas à aller à l'école. Tu as l'argent pour payer ton loyer, ton pasteur, ton bailleur, son bailleur le méprise tous les jours. Tu es en train de pécher. Ton homme de Dieu ne vit plus que pour toi. C'est cela que Dieu, parlant de la race de Lévi, dira à Israël et à Aaron que Lévi, ce sont mes serviteurs. Eux, ils n'auront pas, pas l'héritage en Israël. Donc ne partagez pas Canaan en douze portions, mais en onze portions. Parce que Lévi, les onze tribus, c'est l'héritage de Lévi. Il dit, les onze tribus doivent nourrir les vies. Les hommes de Dieu sont des Lévites. On n'a plus rien à faire. On ne travaille pas, on prie pour que toi tu travailles. voyez. Donc, lorsque nous restons comme ça, pour vous, Dieu nous prive de tout. Pour vous, à cause de vous. Maintenant, quand on prie, Dieu te bénit, bénit ton pasteur. Normalement, un pasteur Il ne devait pas être pauvre. On ne devait pas être pauvre. Avec le genre de personnes que nous avons là, si toutes nos églises là décident et disent que maintenant on va commencer à honorer nos pasteurs et aller bénir, comme au Nigeria, la plupart, papa David Oyedepo, dans son parquet au Nigeria, il a près de 1000 voitures offertes chaque année. 1000, j'ai dit mille voitures. Et pas n'importe quel genre de voitures. Des voitures qui coûtent cher. On a des pasteurs là-bas à qui on a offert des jets privés en cadeau. Si vous avez des chrétiens inconscients et insoucieux, alors vous serez un pasteur dans une église riche, une église de personnes se portant bien, mais mourant de faim. Parce que vos brebis ne comprennent pas les fondements des saintes écritures et de la sainte doctrine. Donc c'est ça, frère. Quand tu as une source d'eau, même, écoutez, quand tu as une vache à traire, tu as ta vache, ta vache là, qui te donne le lait. Si tu ne nourris pas cette vache, c'est toi-même que tu mets en danger. Parce que le temps viendra où ta vache ne pourra plus te donner du lait. Parce qu'elle n'aura plus à manger ni de nutriments dans son organisme. Elle va mourir. Et qui souffrira? C'est toi. Donc même si tu n'aimes pas la vache la nourrir au moins à cause de son lait. C'est ça la réalité. Même si la vache là tu t'en fous. Mais ceci toi au moins que la richesse que tu as, les millions que tu as, les maisons que tu construis là. C'est grâce au lait et à l'importation, à l'exportation du lait de cette vache là que tu es devenu riche. Donc au moins pas souci de ta richesse de la pérennisation de ta richesse nourrit la vache. Beaucoup de personnes négligent la vache, il faut être bête et fou pour négliger et abandonner la vache qui fait de toi l'homme riche ou la femme riche que tu es aujourd'hui. Faut être fou et bête. Donc mes amis, nous devons prendre conscience. Ce christianisme inconscient est fini. C'est fini. Ce christianisme tenu en otage pas des personnes mal intentionnées, ne voulant pas voir, des personnes les dépasser dans les règles spirituelles, dans les sphères spirituelles, et invisibles, et invisibles. Des personnes, ça dit, dire ancrées à la jalousie, à la haine et à l'envie, qui dès qu'elles voient une personne être bénie par des miettes, vont tout faire pour monter des histoires, des calomnies, etc. de sabotage. Cette terre-là est en train de finir. Cette terre est en train de finir et de prendre fin. Et le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Il ramènera l'ordre dans sa maison. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Maintenant, nous sommes en train de bâtir la maison de Jésus. Nous voulons reprendre les travaux. Tu veux faire une sémence et faire une grosse sémence. Comme l'apôtre Paul a dit, celui qui s'aime beaucoup aura aussi beaucoup. Voici les numéros utiles, les seuls numéros utiles. Momo, par, tu, veux, tu veux faire une sémence dangereuse à Dieu. Plus 237 672. 13-03-23. 672-13-03-23. S'il te plaît, libère-toi, dégage-toi, laisse l'esprit de Christ se toucher. Donne! Fais ce que tu n'as jamais fait pour Christ. Que ce mois ne finisse pas, le mois des portes ouvertes, sans que tu ne fais quelque chose que tu n'as jamais fait pour Christ. Une offrande, une sémence, le genre que tu n'as jamais fait depuis que tu es né, depuis que tu es chrétien. Ceux qui veulent faire par Orange Money, c'est le 692-40-71-86. 692-40-71-86. Et ceux qui veulent envoyer par Ria ou Momo ou Saint Union. Vous avez euh, deux personnes par qui le faire. Maman Mireille Rose Mousseni Otam. Maman Mireille Rose Mousseni Otam qui répond numéro plus 237-675-87-78-20. 675, 87, 78, 20. Et, vous avez le deuxième nom, Mama Eugénie Emunga Sopo, épouse Moukoko Poli. Mama Eugénie Emunga Sopo, Sopo avec deux P. Épouse Moukoko Poli, un seul L. Son numéro 699, 96, 37, 14. Précédé de l'indicatif 237, plus 237. Plus 237, 699, 96, 37, 14. J'attends des héros. J'attends des héros. Et je veux dire merci pour tous ceux qui se sont démarqués. Beaucoup d'entre vous, que ce soit en Europe, en Asie, partout. Ou en Afrique. Vous êtes en train de vous démarquer. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Je prie que l'enseignement de Paul touche ton cœur. Que Dieu t'amène dans des hautes sphères. Vous aussi envoyez par euh, euh, par Paypal. Euh, prophète en minuscule. Prophète. et Arbas. Jume.com Voilà. Donc ce sera au nom de notre pasteur, de l'une de nos pasteurs de l'église d'Allemagne, que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Maintenant pour tous mes partenaires euh, que je dois appeler, hier j'ai appelé, et on a encore une liste, la liste est très longue, soyez patients, la patience est un fruit de l'esprit, donc la liste est très très longue. Je vais appeler tout à l'heure encore après l'émission, euh, certains, ceux qui n'ont pas été appelés, que Dieu vous bénisse. Au nom de souverain de Jésus-Christ. Rendez-vous tout à l'heure pour Atmosphère de miracle et ce dimanche, Dieu fera quelque chose de spécial dans nos vies à Yaoundé de 7h30 et à Berthois, ce sera à 16h. Tous les enfants seront consacrés à Dieu, les nourrissons, et ceux qui sont à l'école primaire, la garderie, la crèche, ceux qui sont au collège, à l'université, etc. Nos enfants doivent être la tête et non la queue. Que la main de Jésus-Christ soit sur vous et que la main... Du Seigneur soit là sur toi. Et nous avons servi le lavement de la face tout à l'heure à partir de 16h à la bière. Ceux qui sont à distance, connectez-vous nombreux, s'il vous plaît. Et chacun avec son eau. On va faire servir le lavement de la face contre les esprits de blocage. Et nous allons servir le Seigneur avec nos finances. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ, shalom. Rendez-vous demain, dès qu'il sera 10h.